Et don de la vendeur, les poteaux. Donc, modification de la vendeur. On peut donner seulement les modifications et le modage. Donc, il faut déjà que vous le possédez, les poteaux, hein, pour le recevoir. Donc, moi, mon poteau, c'est celui qui donne la vendeur. Donc, lui, il a le motif Rockstar. Donc, il va me le donner. Donc, lui, il reste à l'extérieur. Pour le moment, on a fait une session sur invitation en mode de visée libre, de préférence, pour pouvoir rejoindre quelqu'un en mode de visée différente plus facilement. Une fois que vous êtes prêt, on dit au poteau de rester à l'extérieur du complexe. Nous, on va rentrer à l'intérieur. Donc je répète, moi je reçois moi je reçois la vendeur, mon poteau il me donne la vendeur. Donc lui devra faire exactement la même manipulation. Donc je la fais moi en première, lui devra la faire tout de suite après. Donc on va aller étape par étape. Donc une fois qu'on est à l'intérieur, on se dirige au secrétariat. On va se mettre ici, on va faire flèche de droite, option. Là, on va aller dans en ligne, on va ouvrir le pack d'entrée criminelle. Une fois qu'on l'a ouvert, on fait rond L1 pour aller sur la carte. Ensuite, on fait X. Pour ouvrir la carte en grand, on fait clavier d'interaction. Et là, on sélectionne une activité, n'importe laquelle. Donc, on la sélectionne, on fait carré. Une fois qu'on est sur le message d'alerte, on va faire X et on va spammer rond. C'est parti, X et on spam rond. Donc comme vous voyez, les poteaux, j'ai le chargement infini en bas à droite. Ça veut dire que ça a bien fonctionné. Dans ce cas-là, je me dirige dans mon Avenger. Donc comme moi, vous pouvez le voir, là, il est tout violet. Avec des motifs, mais c'est pas les motifs Rockstar. Donc je monte à l'intérieur, je me prépare à rejoindre quelqu'un en mode de visée différente. Donc hop, je suis côté conducteur. Je rejoins quelqu'un en mode de visée différente. C'est parti. Donc je vais avoir un message d'alerte. Une fois que je suis sur le premier message d'alerte, je vais maintenir R2, accepter le premier message, refuser le second, accepter le troisième. Une fois que j'ai accepté le troisième, je lâche R2 les poteaux. Là, ça va me faire spawn à l'extérieur, donc j'attends l'écran noir. Donc là, je vais apparaître en dehors d'un bunker qui n'est pas d'un complexe qui n'est pas le mien. C'est pas grave, c'est tout à fait normal. Là, je vais ouvrir la carte en grand et je vais vérifier que mon Avenger est bien à l'intérieur, est bien au Mont Chiliad, les poteaux. Si c'est le cas, on va pouvoir continuer la manipulation. Donc, on va retourner au complexe. Donc, moi, je vais me téléporter avec une activité. Je fais carré, X. Une fois que j'ai le chargement, je fais double P. Je rejoins quelqu'un en mode de visée différent. J'accepte le premier message, je refuse le second. Ça va avoir un bug de la session, du coup ça va me faire spawn au pied de l'activité. Donc là je me dirige vers mon complexe. Donc là on rentre tous les deux dans le complexe, c'est parti. Donc chacun dans son complexe. Et lui maintenant, il va faire exactement la même manipulation que j'ai fait. Donc, vous retournez en arrière sur ma vidéo. Et maintenant, c'est au donneur de faire exactement la même manipulation. Moi, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'attendre que l'Avenger spawn dans le complexe. Donc, je me mets là. Et là, mon poteau, il va aller faire exactement la même manipulation que j'ai fait. Donc je vous remets pas le gameplay les poteaux, hein, c'est pas compliqué. Hein. Il refait exactement, il va au secrétariat, il fait exactement la même chose que j'ai fait. Ensuite il monte dans l'Avenger, il rejoint quelqu'un en mode de visée différente. Une fois qu'il est sur l'alerte, il maintient R2, il accepte le premier message, il refuse le second, il accepte le troisième et il lâche R2. Et à ce moment-là, moi je vais voir l'Avenger spawn dans mon complexe. Voilà les poteaux, l'Avenger a spawn, donc là on va monter à l'intérieur. Donc là notre poteau est côté conducteur, donc c'est normal. Nous ça va nous mettre côté passager, on va passer côté conducteur juste après. Une fois qu'on est côté conducteur, on a juste à faire flèche de droite. Et là on modifie quelque chose, donc le blindage par exemple.
Hop, vous modifiez le blindage. Une fois qu'il est modifié, vous faites descendre du véhicule. Donc là, vous allez changer de style. Donc moi, j'ai pas d'autre tenue, donc je vais changer d'accessoire. On attend le rond de chargement jaune en bas à droite. Une fois qu'il est fait, ça y est, les poteaux, c'est sauvegardé. Donc moi, pour être sûr, je vous conseille c'est de sortir une fois avec. Donc vous sortez une fois avec. Une fois que vous êtes sorti, vous re-rentrez. Et puis voilà les poteaux. L'Avenger est bien sauvegardé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous rejoindre sur notre groupe Facebook. C'est pas déjà fait. Allez, à plus. Ciao, ciao.